Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Déjà, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Et aujourd'hui, on va parler mastering en découvrant le nouveau VST Mastermind de chez United Plugin. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Généralement, j'essaye de lire tous les commentaires et d'y répondre. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés pour acheter vos VST et packs de samples directement dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez m'offrir un petit tips ou un petit café pour pouvoir récompenser le travail accompli, vous trouverez un lien PayPal toujours dans la description. Donc, pour avoir les informations sur le VST Mastermind, il vous suffit d'aller directement sur le www.unitedplugin.com. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, c'est une marque que j'apprécie énormément, qui font d'excellents VST, que ce soit pour le mix, comme maintenant pour le mastering. Donc, lorsque vous descendez sur la page, ici, vous avez le Mastermind. C'est un VST, en fait, qui va être très utile pour le mastering. C'est une sorte de tout en un peu à la façon de Ozone. Donc, en ce moment, il est à 29€ sur le site. Il est encore en promotion pendant 4 jours. Donc, profitez-en si vous cherchez un VST pour faire du mastering relativement simplement et facilement. Après, vous avez une période d'essai de 14 jours pour voir si le VST vous convient, mais vous allez voir qu'il est assez performant. Maintenant, le Mastermind, qu'est-ce que c'est? On va avoir l'interface du VST comme on peut voir à l'écran, avec un bouton d'input, la possibilité de faire de l'oversampling x2, x4, x8, x16. On va avoir un système un peu particulier d'EQ matching qui va nous permettre de prendre une track de référence, récupérer la courbe de fréquence de cette track et ensuite de pouvoir l'appliquer au son qu'on veut masteriser. On a un stéréo Wiz. Ensuite, on va avoir une section Optimize qui va nous permettre, en fait, grâce à un algorithme de chez United, de pouvoir optimiser le son au mieux. Ça donne quand même de relativement bons résultats. Ensuite, on a une section Equalizer qui va nous permettre de pouvoir gonfler ou réduire les basses fréquences, gonfler ou réduire les aigus pour rajouter de l'air ou pour jouer sur certaines fréquences aiguës s'il y en a trop. On va avoir un potentiomètre pour l'émulation à tube et enfin un bouton trim avant d'entrer directement dans le limiteur. Et au niveau du limiteur, on va avoir les réglages traditionnels de gain, de threshold, le ceiling et enfin un bouton de saturation et tout l'ensemble va nous donner un petit VST qui est vraiment génial pour le mastering. Il va fonctionner au format VST2, VST3, AAX, Audio Unit, sur Mac comme sur PC. Sur le site de United Plugin, il est à 29€, donc c'est vraiment une très bonne occasion. Je vous laisserai le lien dans la description pour pouvoir lire un peu toutes les informations qu'il y a à propos de ce VST. Vous le retrouverez aussi directement sur le site de Plugin Boutique. Il est en promotion, mais à 58,50€ pour ceux qui ont un compte. Et enfin, vous avez toute la liste des VST de chez United Plugin, où il y a vraiment des pépites, que ce soit pour vos sons de guitare, pour enregistrer les voix, pour donner du punch à vos drums, rajouter de la saturation, créer des sons, jouer sur la stéréo, les transient shapers, bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et en ce moment, il y a des promotions sur pas mal de leurs produits directement sur le site de Plugin Boutique. Vous aurez tous les liens affiliés dans la description si ça vous intéresse. Donc là, on se retrouve dans une session que j'ai créée spécialement pour pouvoir tester le Mastermind. Donc au niveau composition, c'est juste une petite boucle, un petit délire que j'ai utilisé.
Au niveau équalisation, compression, j'ai utilisé surtout ce qui est EQ et compresseur de la table, donc les EQ de la table et les compresseurs de la table. Même en ce qui concerne ma compression parallèle, j'ai utilisé un bus parallèle que j'ai créé directement dans Reason en utilisant le compresseur de piste. Après, au niveau de mon bus master, j'ai mon stéréo imageur qui vient de Reason, le compresseur qui vient de Reason, et enfin le mastermind où je fais directement les opérations de mastering dedans. J'ai mis un deuxième limiteur qui vient de chez Reason, histoire d'être sûr de rester plafonné à moins 1. Et après, j'ai mon true balance et le true level pour vérifier la dynamique et les résultats en LUFS du son, histoire de voir si le VST tient toutes ses promesses. Après, au niveau des instruments, j'ai utilisé Shaper Box 3 vite fait sur une ligne de hi-hat. Sur ma 808, j'ai utilisé le MS-20, le petit cadeau de Noël de chez Arturia, pour pouvoir rajouter la distorsion. J'ai utilisé un autre filtre sur ma mélodie principale qui est fait avec le VST instrument Curve qui vient de chez Cable Guy. J'ai un deuxième filtre MS-20 puisque je voulais le tester sur un autre synthétiseur antidote. Sur mes bells, j'ai utilisé le petit halftime et après j'ai mes violons. Et en rose, ici, c'est ma track de référence. Puisque sur le mastermind, on peut faire de l'EQ matching et on va voir comment on procède pour pouvoir utiliser cet EQ match. Donc on va déjà écouter le morceau histoire de voir ce que ça donne. Donc là, avec les corrections du mastermind, ce qui est du son. Maintenant, on va faire un petit tour de l'interface. Donc, comme vous avez vu, on arrive à pouvoir tenir les courbes au niveau des références classiques. Bien sûr, j'ai pris le preset hip-hop du True Balance et le preset hip-hop contemporain pour ce qui est du True Level. Et toutes les corrections d'EQ, j'ai utilisé l'EQ Match, l'Optimize, et enfin, l'équaliseur ici sur le master direct. Si on fait un tour de l'interface, ici en haut à gauche, on va avoir la possibilité de faire de l'oversampling, donc x2, x4, x8, x16. Bien entendu, plus vous montez en oversampling, plus ça va consommer de ressources processeurs. Donc là, pour la vidéo, vu que je suis en train de filmer en plus, je suis resté en naturel. Ça nous rajoute aussi de la latence, c'est pour ça qu'au niveau compensation de délai, j'ai dû le mettre sur ON, puisque le VST déclenche de la latence. Le bypass, je vous conseille d'utiliser directement le bouton bypass du logiciel, puisque si vous utilisez celui du Rack Reason, ça va vous créer un décalage quand vous allez le mettre en bypass. Maintenant, on va avoir une section input ici, où on peut rajouter jusqu'à plus 24 ou descendre de moins 24 dB
le gain du son qui rentre dans le VST. Ensuite, on va avoir l'EQ match. Donc, on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Un stéréo Wiz pour pouvoir jouer sur la largeur stéréo de l'ensemble du son. Un bouton Optimize avec un algorithme spécial qui va optimiser le son histoire de donner vraiment un bon équilibre sonore et un très bon grain. Ça marche vraiment pas mal. Ensuite, on a un equalizer assez basique. On peut rajouter l'effet d'un equalizer à tube. On va avoir un bouton gain pour les basses fréquences avec un filtre shelf et un bouton de gain pour les hautes fréquences avec un filtre shelf, en sachant que pour les hautes fréquences, on peut aller de 3 à 16 000 Hz, donc de 3000 à 16 000 Hz, et pour les basses fréquences, on peut aller de 20 Hz à 150 Hz. En sortie d'EQ, on a un petit potentiomètre histoire de réguler le son avant d'entrer dans le limiteur. Et ensuite, au niveau du limiteur, on a comme sur tous les limiteurs un bouton gain, le threshold, le output ceiling, donc là où on va déterminer par exemple si on est à moins 1, moins 2, etc. Donc là, pour l'instant, il a été réglé à moins 2 et un bouton de saturation pour pouvoir donner du grain au son. Ensuite, on a notre afficheur qui va nous afficher la courbe blanche, c'est le son qui entre. La courbe rouge, c'est le son avant limiteur. La courbe verte, le son après limiteur. Donc, si je remets en lecture, donc vous allez voir les courbes. Là, je bypass, donc on sent la différence de son. Et ici, on va avoir la possibilité d'aller directement dans les presets. D'accord ? On a des presets pour différents styles de musique. Je vous laisserai aller faire un tour si vous prenez la version d'essai. On peut faire une comparaison entre un preset A et un preset B. On a un bouton de copie de preset, un undo, un redo, et en gros, voilà. Donc là, pour les tests de la vidéo, on va remettre le VST en initial. Donc là, il est revenu complètement à neuf. Et on va voir comment utiliser la section EQ Matching déjà dans un premier temps. En réalité, c'est hyper simple. Je vais faire apparaître ma console. Donc là, F5. Ici, j'ai ma piste de référence que je vais mettre en solo. Là, je vais allumer l'EQ Matching sur la source, puisque la ref va être la source. Je vais le mettre sur on, je vais mettre le son en lecture et ça va enregistrer la courbe de fréquence du morceau. Donc voilà, sur le site, ils disent à peu près 5 secondes. Donc là, la source a été enregistrée. Maintenant, je vais enregistrer ma track. Donc là, je retire le solo, je remute ma référence. Je mets on sur la track en cours. Je vais aller me placer à un endroit où je vais avoir les drums et tout. Donc je vais venir me mettre, par exemple, directement ici. Et je lance la lecture. Maintenant, que le bouton est sur on et ça va enregistrer la courbe de fréquence de ma track. We'll be right back.
Et donc, voilà. Maintenant, je peux réappuyer sur off. Les deux ont été enregistrés. Ce qui fait que maintenant, si je remets la lecture sur mon morceau et que je joue avec le bouton d'EQ Match, vous allez voir que le son va changer directement. Là, mon kick est un peu plus sec. La basse est un peu plus étouffée. Donc après, c'est à chacun de doser ce qu'il a envie de mettre par rapport à l'EQ Match. Ensuite, on va avoir la partie optimisation. Là, faudrait que je revienne un petit peu ici au niveau des médiums. Donc là, on sent déjà le changement. Ici, je vais me mettre direct à moins 2. Au niveau du selling pour bloquer les pics, à moins 2. Et je vais commencer à augmenter légèrement le threshold. We'll be right back.
Donc là, on va laisser passer l'intro, parce qu'on va être en dessous au niveau dynamique et loudness. Sonore, on arrive parfaitement à améliorer notre morceau. On a vraiment tout ce qu'il faut au niveau EQ matching, optimisation du grain de son, rajouter un petit peu d'équalisation, de la saturation pour donner un peu plus de caractère. Après, il faut juste faire attention à pas trop saturer le master, mais on arrive à sortir des sons relativement corrects. C'est un très bon outil, assez simple à utiliser. Donc, il va rentrer en concurrence tout simplement avec le Master Deck de chez Plugin Alliance ou Ozone Element de chez Isotope. Donc maintenant, on a le Mastermind, un outil assez complet qui va vous permettre de pouvoir créer vos masters directement, assez simplement. Et comme vous avez bien vu, au niveau des courbes de réponse en fréquence, on arrive à peu près à faire ce qu'on a envie. Je relance la lecture. Donc on peut vraiment faire quasiment tout ce qu'on veut. Le son est quand même assez propre. Et là, je suis sans oversampling, puisque vu que je suis en train de filmer, après ça va trop surcharger le processeur. À la limite, je peux essayer en x2, voir ce que ça va donner. Mama,
Et donc, comme vous voyez, ça fait parfaitement le job. Donc, comme vous avez pu le voir, le Mastermind est un très bon outil. Après, j'ai pas une super carte graphique, donc quand il y avait le True Level et le Mastermind, ça laguait un petit peu, mais au niveau correction de son, il n'y a aucun problème. Dans l'ado, pendant le fonctionnement, même quand je filmais, même si il y a eu un lag au niveau enregistrement, au niveau son, il n'y avait aucun souci. Le VST fonctionne relativement bien. Pour moi, il fait le job. Après, c'est pour pouvoir faire un petit master maison ou un pré-master sur une instru. Ça fait vraiment le taf. Ensuite, c'est à vous d'essayer pour voir si ce type d'outil vous convient. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut!